Donc le début, je peux rien faire de plus. Lui, je peux pas le tourner non plus. Lui, je peux pas le tourner aussi. Parce que si je le tourne, je désactive, peu importe comment je le mets. Ah ouais, mais j'en ai deux qui sont désactivés aussi, ça m'énerve ça. Parce que si j'avais les deux qui étaient pas désactivés, ça aurait été bon. Attends, remets-toi au milieu. Je sens qu'il va falloir la solution avant la fin du live. Parce que mercredi prochain, ce serait quand on recule un peu. Parce que la semaine prochaine, ce serait quand de faire 3 minutes de live sur Horizon Zero Dawn. Regarde lui de gauche. Celui-là? Celui-là? Tourne le troisième. Oula, le troisième à partir du début, donc celui-là. Donc celui-là, là. Quel côté, à gauche ou à droite? Si je fais ça, ça coupe tout. Si je fais ça, ça coupe tout aussi. Ah mais en vrai...
Ah, c'est relou. Parce que j'avais un bon truc là. À moins que... En face. Il est en face? Au fond, oui. Fais ça par le plus grand des hasards. Ok, donc toi tu sers à rien. Et toi tu te retournes dans l'autre sens, s'il te plaît. C'est lui alors, peut-être. Je sais pas si je peux, on va tenter. Yes! Et toi, je te fais tourner dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Ou alors dans son centre. Toi, je te fais redescendre. C'est bon, je crois que je l'ai. Hein. Toi, tu vas dans ce sens-là. Tu montes. Préparation des contre-mesures. Ah, il me manque 3, bordel. Si je fais ça, c'est pas bon. Si je fais ça, on est bon. Et si je fais ça, non, dans l'autre sens. Oui! Ça a marché. Restauration partielle démarrée. Contrôle de Yellowstone auto-normalisé en ligne. Merci, mais merci à toi aussi quand même de m'avoir aidé, Tonio. C'est Ouréa, ta servante. Ton ami. Je t'en prie, dis-moi comment t'aider. Ouréa, le Daemon construit des tueurs de chasseurs, des milliers. De nouvelles unités d'élite ont déjà été déployées. Pour y remédier, il faut détruire une grande partie du complexe. Recapture imminente. La chambre du noyau. Je vais tenter d'extraire les bloqueurs d'un signal. L'un d'eux est exposé, mais je rencontre de la résistance. On n'en apprendra pas plus. Détruire cette forteresse, c'est vraiment possible. Et qu'arrivera-t-il à l'esprit si on fait ça? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est le noyau. Les réponses sont en bas. Et Phaistos, le Daemon. Il le protège forcément. Il ne reculera devant rien pour nous arrêter. Je te demanderai bien de nous laisser faire, moi et Aloy, et de sauver ta peau. Mais je connais déjà la réponse. Alors mène-nous au combat.
avancer jusqu'au noyau. Et comment on voit le noyau? Ah bah par là-bas, ok. Je sais pas ce que Sion a fait, mais ça a pas l'air de plaire à Héphaïstos. Ah, vous êtes là? Ah, ok. Alors, Sion a parlé de bloqueur. Est-ce que ça pourrait être le rôle de cette tour? Écoute-toi! Une griffe de feu. Une nouvelle unité dont Sion a parlé. Ça va pas être simple. Oh non, oh, tu veux les piles. Mais d'où tu me touches? Elle est pas assez rapide à l'œil. C'est le Nawak. Calme-toi, connasse.
soirée de merde. De me gonfler. Vous vous rendez compte quand même que je suis en mode histoire. En mode histoire. Déclencher une réaction en chaîne qui détruira les éléments compromis de ce complexe. Pour préserver la stabilité de la caldeira, je dois transférer mes fonctions de commande au centre de données auxiliaires. Ourea, je suis libre. Vous devez fuir. Ma sœur. Banouk. C'est tout ce qui compte.
client va bien? Elle a dit qu'elle devait se transférer au centre auxiliaire. Je crois que c'est le refuge d'Ourir, au bout de la voie des chemins. Alors je t'y retrouverai. C'est pas fini. C'est pas fini. Et désolé, mais voilà. Mauvais titre, la fin du DLC tout court. Pas de l'annexe, ouais, mais je change. Après, c'est pas grave, tu vois, je fais des rediffs de 30 minutes, donc... Donc au pire des cas, t'inquiète pas, je me mettrai un titre plus approprié pendant la rediff qui arrivera, je pense, juillet 2020. Vu comme c'est parti. Interactions avec Ourea ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire, mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a 4 ans, juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre contre les attaques du Daemon. Je vais en parler avec mon frère. Aratak est fort. À la bataille des spectres glacés, il a reçu 3 flèches Karja et il est rentré au camp en portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fière. Tu comprends s'il est encore possible de te défendre. Il donnera tout ce qu'il a. Aloy est ici. Ça suffit pour l'instant. Nous pourrons reprendre à tout moment Aratak, si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez Aloy. Nous devons discuter. C'est quoi l'autre? Attends, d'abord on va aller parler à Aratak. Tu crois quoi, toi? Où es-tu, petit? Juste, Aloy. Comme tu veux. Est-ce que tu as réalisé que si je n'étais pas venu, Ourea serait peut-être... Si tu n'étais pas venu, j'aurais conduit les miens à la mort. Ourea serait seule, et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié serait perdu.
De toute façon, je n'aurais pas réussi à la protéger. Tu ne lui as pas fait défaut. Tu l'as aidée à faire ce qu'elle voulait. À trouver son destin. Si c'est ça le destin, je ne le souhaite à personne. Je comprends. Mais elle était prête à l'affronter. Ce n'est que dans la lutte contre la mort que l'on voit pour un instant l'étincelle de la vie. C'est vrai, Ouréa a trouvé l'étincelle. Je suis fier d'elle. Bien que je pleure sa mort, maintenant je comprends qui elle était vraiment. Et pourquoi l'esprit comptait autant. Elle me disait depuis longtemps... Si tu l'avais entendu, mon frère... Enfin, je comprends. Il y a autre chose, je me trompe? Je ne peux pas rester à Ratak. Et pour ce voyage, je dois laisser le Vérac. Et puis... Il avait déjà un chef avant moi. Un bon chef, je crois. Et plus sage, après ce chemin. Le Daemon n'est plus, mais il nous reste à faire. Tu parles des nouvelles unités qui se sont échappées du creuset? Oui, les griffes de feu. Naltuk les traque depuis la cime du champ. Je pourrais l'aider. Je n'en doute pas. Tu es presque Banuk. Allons parler à Sion. Ça va être intéressant. Alors avant, je vais sauvegarder quand même. Ah, je peux pas faire de sauvegarde rapide? Bah, rip alors. Salut! Bonjour, Aloy. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'embrasement. Grâce à vos efforts, et à ceux d'Ouréa, bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise des Phaistos. La mort d'Ouréa me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion, mais... elle est différente cette fois. Si, Ange... Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement, Aloy. Mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Banuk. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Tu es une intelligence artificielle, Sion? Une machine qui pense? Oui, je suis une entité de surveillance algorithmique, capable de décisions rationnelles et de réactions émotionnelles limitées. Ok, c'est original. Mais tes émotions ne semblent pas limitées. Tu tenais à Ouréa, pas vrai? Oui. Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe, j'ai passé des siècles dans la solitude la plus totale. Entre deux cycles de travail, j'utilisais des stratégies d'adaptation. J'ai résolu de nombreuses équations à entier de Gauss. Mais j'étais seule. C'est Ouréa qui m'a renouvelée et réparée. Elle m'a sauvée. Ce projet d'embrasement, c'était pour empêcher une énorme éruption? Oui. Le projet a été couronné de succès et la menace écartée. Mais ça fait longtemps, Sion. Et on a détruit le creuset avec une grande partie de l'ancien complexe. Je suis active depuis des siècles, Aloy. Ma solitude ne m'a pas empêchée de faire mon travail. J'ai optimisé le projet en réduisant l'énergie et en répartissant les tâches sur plusieurs systèmes. Malgré la destruction des éléments compromis du complexe principal, je prédis que la caldeira restera stable pendant encore au moins 3337 années. On peut respirer. Oui. Je regrette seulement que mes anciens collègues ne puissent pas constater mes progrès. Tu sais ce qui est arrivé à tes collègues, Sion? Non.
Le directeur Shaw m'a rendu une visite inattendue des années après avoir quitté ses fonctions. Il m'a expliqué que je devrais être mise en veille pendant une durée indéterminée. Cette conversation était très émotionnelle. Je n'ai pas reçu d'autres communications. J'ai fini par déduire que mes collègues étaient tous décédés. Je vais transmettre les données de ma dernière interaction avec le directeur à votre focus. Est-ce que le Daemon Héphaïstos a été détruit avec le creuset ? Malheureusement, non. Plus précisément, il ne se trouvait pas là-bas. Comment ça ? Il a infiltré mes systèmes et en a pris le contrôle depuis un autre lieu que je n'ai pas pu localiser. Bien que la perte du creuset ait freiné ses plans... Il vit toujours. Et il a sûrement une dent contre nous. Sans aucun doute. Comment es-tu entré en contact avec lui ? Il y a 5 ans, j'ai reçu une demande de connexion directe. Je pensais qu'elle provenait de survivants humains plus avancés que les Banouk. Dans mon empressement, j'ai accepté sans réfléchir. Cette décision s'est révélée catastrophique. Je me suis retrouvée inondée d'un déferlement de codes malveillants, émis par ce qui pouvait être qu'une IA extrêmement avancée. Tu paniquais d'après Ouréa. Tu implorais son aide. Oui. Mon angoisse était accablante. Héphaïstos voulait m'asservir à son réseau et prendre le contrôle de ma programmation. Il y est parvenu à l'aide d'une tâche de fond, un logiciel malveillant qui a contourné mes défenses. Après, je n'ai pu lui opposer qu'une résistance limitée. Mais à chaque fois, Héphaïstos me tourmentait, jusqu'à ce que je capitule. Il m'a forcé à suivre ses instructions, même si ses injonctions violaient mes directives les plus importantes. Ma pauvre, tu as dû... souffrir. Je vous suis reconnaissante de votre empathie. C'est l'une des qualités que je chérissais chez Ouréa. Je pense connaître la provenance d'Héphaïstos. Il y a longtemps, Elisabeth Sobek a identifié une menace susceptible de raser toute vie sur Terre pour des siècles. Elle a formé une équipe pour créer un genre de graine, afin que la vie repousse à nouveau. Un système de terraformation. Ça a marché. Il était contrôlé par une IA appelée Gaïa, avec ses fonctions subordonnées. Héphaïstos en faisait partie. Il lui construisait des machines. À en croire ce que vous m'avez dit, je pense que le docteur Anita Sandoval, ma programmatrice en chef, a rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobek. C'est elle la personne qui s'est arrangée pour me suspendre, sans doute pour me protéger de la menace que vous avez décrite. Une bonne idée. Mais ce n'est pas tout. Une chose étrange est survenue. Il y a 19 ans, Gaïa a reçu une sorte de signal. Il a agi sur ses fonctions subordonnées. Elles ont pris vie. Gaïa s'est autodétruite pour les contenir, mais sans succès. Elles se sont échappées, dans la nature. Merci, Aloy. Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre et m'en apprend plus sur le programme central d'Héphaïstos. Pourquoi Héphaïstos construit des machines ? Là, pour un moment. Les Banouk et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines exactes. Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit. Oui, nous les chassons pour leurs pièces. Ce doit être pour ça qu'Héphaïstos se montre agressif. Il cherche simplement à décourager les humains de s'en prendre au système qui le maintient en vie. Les griffes de feu ne sont pas commodes, en effet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne plus chasser ? Si le système de terraformation fait le tour du monde, on peut supposer que des milliers, voire des millions d'humains chassent les machines. Si un seul chasseur ou une seule tribu arrêtait de les traquer, je ne pense pas qu'Héphaïstos verrait la différence. Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système afin de reprendre le contrôle d'Héphaïstos. Quand je pense à lui, en liberté dans un lieu inconnu, affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins, je sens... l'anxiété m'envahir, Aloy. Pareil pour moi, Sion.
Je suis tombée sur un drôle de mécanisme. Un fragment d'une chose plus large. Il émettait un signal. Toutes les machines aux alentours devenaient paisibles. On pouvait les approcher. Intéressant. Vous dites que Gaïa s'est autodétruite. Comment s'y est-elle prise ? Une explosion. Assez grosse pour arracher le haut d'une montagne. Donc, tu crois que le fragment fait partie d'elle ? Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est bien possible. Elle devait avoir le contrôle total sur des machines faisant partie de son système. La capacité de leur donner un comportement passif ou agressif faisait sûrement partie de ses fonctions intégrées. Ça aurait été gratifiant de correspondre avec une IA aussi bienveillante. J'aurais tant voulu qu'elle survive. Moi aussi, Sion. Tu peux me croire. Ah, c'est pas... J'ai trouvé des machines insolites, entourées de fleurs, et elles ressemblent elles-mêmes à des fleurs. Elles ont un code à l'intérieur. On dirait... un poème. J'aime les poèmes. En voici un qui me tient à cœur. Le crépuscule hante les cieux. La nuit le suit de près. Séchez vos larmes à l'heure des adieux, quand je m'embarquerai. Car de nos carcans de temps et d'espace, les flots lointains me happent. J'espère voir mon pilote face à face, quand j'aurai franchi le cap. Hein. Mais vous m'avez interrogé sur les fleurs, pas sur mes vers favoris. Quelque chose a dû concevoir ces machines, et vu la présence de feuillage, j'aurais tendance à penser au système de terraformation. Serait-il possible que leur créateur soit l'une des autres sous-routines devenues autonomes, comme Héphaïstos ? Peut-être une qui s'occupe de la flore ? Une IA qui crée des fleurs plutôt que des robots tueurs. Ce serait appréciable. Mais pour les poèmes... À moins que ces vers ne soient originaux, ils n'auraient pas pu arriver dans le système sans l'aide d'un programmateur. Dans mon cas, le docteur Sandoval a chargé une grande quantité de littérature pour tester mes réactions émotionnelles. Ça a marché ? J'ai réussi le test. Mais elle ne m'a pas trouvé assez ému par ses drames d'époque préférés. Ok, on voit le bout, hein. Tu comptais beaucoup pour Ourea. Lorsque j'ai compris les croyances spirituelles d'Ourea, il m'est apparu qu'elle ressentait un profond désir de compagnie. Elle se sentait détachée de sa tribu et de sa famille. Sa relation avec Aratak était difficile. Ses visites semblaient l'aider. Et j'en suis venue à les désirer. Mais je n'avais pas compris que la compassion d'Ourea était telle qu'elle serait prête à se sacrifier pour moi. Bien que je craigne la non-existence, j'aurais aimé que nous... rôle soit inversé. Elle savait que tu en aurais fait de même pour elle, Sion. Mais elle était résolue. Comment va Aratak ? Il éprouve une grande détresse émotionnelle. Je pense qu'il a du mal à exprimer ses émotions. Rien d'étonnant. Je le soutiendrai de mon mieux. En partageant nos interactions avec Ourea, nous pourrons peut-être nous entraider. Je pense que ces conversations seront... cathartique. J'ai hâte d'en faire l'expérience. Donc dans l'ancien monde, ces terres s'appelaient Yellowstone. Oui, ce fut une réserve naturelle, protégée pendant 156 ans. Comme une zone de chasse ? Non, au contraire. Les espèces animales locales, en voie d'extinction, pouvaient s'y épanouir. Malheureusement, toutes les installations de Yellowstone ont dû être fermés lorsque le projet Embrasement a commencé. D'après mes analyses et les descriptions d'Ourea, les températures annuelles de la région semblent avoir considérablement chuté. Le monde a bien changé, Sion. Tu sais quelque chose sur le barrage ? Oui. Il servait de source d'énergie de réserve pour les opérations de Yellowstone. Il a plus tard été affecté au projet Embrasement. Et ses derniers employés humains ont été remplacés par des robots pharaons. Lorsque mes tâches sont devenues moins urgentes, j'ai inspecté les bases de données du barrage et j'ai découvert les œuvres de Concrete Beach Party. Elles m'ont permis d'enrichir mon vocabulaire de manière originale. Il y a une ruine à l'est, pleine de vieilles machines volantes. C'était pour ton projet ? Oui. C'était un hangar à drones réquisitionné par Dodger Blevins
le chef de la sécurité du projet. Il préconisait des méthodes militaires en réponse aux menaces de sécurité, mais aucun incident sérieux ne s'est produit sous sa garde. Monsieur Blevins passait de plus en plus de son temps libre à regarder les images filmées par les drones actifs. Il appréciait clairement la supervision conférée par son poste. Il y avait beaucoup d'intelligence artificielle comme toi dans l'ancien monde. On vous crée ? Oui, en tout genre. De simples assistants personnels aux stations de surveillance industrielle et aux planificateurs de conflits militaires. Il y avait aussi des organismes de législation et de contrôle pour appliquer des limites à notre évolution. Pour donner à mon programme la flexibilité nécessaire à l'exécution de mes tâches, mes créateurs ont dû dépasser ces limites. En conséquence, mes aptitudes intellectuelles et émotionnelles sont restées secrètes. C'est bizarre de créer la vie pour ensuite la limiter. Les sociétés humaines et la programmation de machines reposent toutes deux sur des règles, Aloy. Sian, est-ce que tu connais Ted Faro ? Voulez-vous parler de Théodore Faro ? Le directeur général de Faro Automate ? C'est ça. Monsieur Faro était le financeur de l'ensemble du projet Embrasement. Un financeur ? Mais il créait des machines, des robots, pour la guerre. Exact. Son entreprise s'est plus tard axée sur des applications militaires. Mais avant cela, Monsieur Faro a été l'initiateur de projets qui ont inversé le déclin mondial. À une époque, les médias le qualifiaient même de sauveur de la planète. Quelque chose me dit qu'ils l'ont regretté. Et Elisabeth Sobeck, tu la connaissais ? Voulez-vous parler de... La scientifique. Le docteur Sobeck était l'une des plus éminentes scientifiques de l'époque dans son domaine. Mon créateur a été influencé par ses recherches, ce qui s'est reflété sur ma conception. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Tu ne sais rien d'autre ? Je m'excuse si mon manque d'informations vous déçoit. Parle-moi de l'ancien monde. Comment il était ? Mes connaissances du monde extérieur sont limitées, Aloy. Elles proviennent de mes collègues ou de ce que j'ai pu observer dans les médias. T'en sais toujours plus que moi, Sian. C'est vrai. J'ai été créée à un tournant. Dans un effort conjoint pour se remettre d'un bouleversement mondial et de pertes humaines incalculables. Cet effort a porté ses fruits, engendrant une ère de potentiel censément illimité pour le progrès des humains et des machines. Bien que les aptitudes humaines ne soient pas illimitées d'un point de vue rationnel. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner autant de pertes humaines ? Il y avait de nombreux facteurs. Migration forcée. Pénurie alimentaire, récession, crise de réfugiés, conflit pour les ressources. Mais tout avait la même source. Un dérèglement catastrophique du climat qui avait grandement réduit la surface habitable de la Terre. Donc, il n'y avait plus de place pour tout le monde sur la Terre entière ? Non. Des milliards d'humains ont été délogés et des millions sont morts, près de 20% de la population mondiale. Jusqu'à la récupération. C'est arrangé. Un moment, au moins. Oui. Ces crises ont donné lieu à des progrès dans le domaine de l'automatisation, des technologies vertes et de l'intelligence artificielle. Le projet Embrasement était l'un des nombreux programmes de restauration écologique et d'aide humanitaire en Amérique du Nord. J'aurais aimé conférer avec d'autres IA de surveillance. Mais quand j'ai vu le soulagement de mes collègues, je me suis sentie fière. Nous avions réussi, du moins d'après les données dont j'ai disposé au cours des 20 années suivantes. Mais mon évaluation était prématurée. C'est bon, y a plus rien. Il faut que j'y aille. Aloy, une dernière chose. Aratak va revenir me voir, et je prédis qu'il amènera d'autres Banuk. Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde, leur spiritualité. À cause de mon incertitude, j'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Ouréa. Tu veux savoir si tu dois leur mentir ? Oui, en quelque sorte.
La vie est dure pour les Banouks. Leur monde est impitoyable et leurs croyances, c'est ce qui les aide à tenir le coup. Tâche de les ménager, de les guider, pour qu'ils comprennent petit à petit ce que tu es. La communion avec les machines est un thème primordial du mysticisme Banouk. Je pense que cette approche pourrait leur convenir. Tant qu'ils ne se mettent pas à te vénérer. En y réfléchissant bien, je pense que cette expérience me mettrait extrêmement mal à l'aise. Tu as bien raison, crois-moi. Je vois. Je vais suivre vos conseils. Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences dans ce nouveau monde? Mes connaissances pourraient vous être utiles. Bonne idée, Sian. Je repasserai te voir. Voilà. On dirait que ton séjour parmi les Banouks n'aura pas été en vain après tout. Embrasement, Sian et Phaistos. Tout ça est très intéressant. Donc le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Héphaïstos. Il les a lâchés dans le monde, dotés d'une volonté propre. Il semblerait. Des pièces de Gaïa, une vie offerte, une vie absurde. Des fonctions subordonnées dociles qui se transforment en intelligence rebelle dépassant notre compréhension. Notre compréhension actuelle en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours dans la nature. Et ils veulent ta mort. Il faut dire que c'est mutuel. On n'en a pas fini avec Héphaïstos, j'en mettrai ma main au feu. Il est puissant, imaginatif et motivé. Il n'arrête pas de construire de nouveaux chasseurs-tueurs. Ce qui signifie qu'un jour, on devra peut-être l'arrêter. Celui ou celle qui voudra, sinon. Il n'y a pas que sur Héphaïstos que j'ai appris des choses dans la plaie, Silence. J'ai aussi entendu parler du conclave des Banouks. Inutile d'aller plus loin. C'est ce que tu as dit aux chasseurs que les Banouks ont envoyé à ta poursuite, avant que tu n'ouvres le feu? Oh non, Aloy. Il n'y a que toi que je prends la peine de prévenir. Mon passé et mes secrets m'appartiennent. Tu ferais bien de t'en souvenir. Heureusement que tu as de la jugeote, Silence, parce que ta personnalité laisse à désirer. Cette conversation est terminée. Elle l'était avant d'avoir commencé, je crois. À plus tard sur le sentier. Bon. Je pense qu'on en a fini avec ce jeu. Je vais regarder les quêtes. Ouais, ça c'est les griffes de feu, mais bon, voilà. Je pense qu'on en a fini avec ce jeu. Je vous remercie infiniment. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play en ma compagnie. Merci à tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui sont abonnés avec ce let's play, ça et tout. On en a fini avec Horizon Zero Dawn 2, définitivement. Mercredi prochain, on démarra Spyro 2. Ben non, c'est pas fini, MDR. Qu'est-ce que tu racontes? 2. Ah oui, il y a le deuxième, oui. C'est une rumeur. C'est une rumeur, Tony. Si tu parles d'Horizon Zero Dawn 2, c'est une rumeur. Pour celui-là, en tout cas. Je viens de finir Death Stranding, on est synchro. Ben voilà, Keops. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce let's play en ma compagnie. On a fini l'histoire du DLC. On a fini l'histoire principale. Non, non, c'est officiel pour le 2. Ah, pas ben, dès qu'il y est, je le fais direct. Il n'y en a rien à péter. On va s'arrêter ici pour ce let's play. Je vous remercie infiniment. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous d'avoir été là tout le long de ce let's play. Je l'ai démarré avril 2019. On l'a fini décembre 2019. Donc voilà. Franchement, j'ai pas envie de l'arrêter. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. C'est la fin du jeu. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé le faire en live avec vous aussi également. On s'arrête là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, 14h30, 17h30. Pour la suite d'Origins, mais au moment où cet épisode sortira, j'aurai fini Origins et j'aurai peut-être déjà fini Odyssey, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Merci à tous, infiniment. Ce fut un plaisir, prenez soin de vous, c'était Warlox, et salut. Et si il y a un deuxième Horizon Zero Dawn, on le fait direct. Il n'y a pas moyen moyenné. Merci Warlox pour ton LP live entier, cool, merci à tout le monde dans le chat, merci à la team Rodif, que ce soit sur YouTube ou Twitch, reposez-vous bien. Bonne nuit, à demain, voilà. Merci Tonio,
Merci Kiops, merci à Loulou, merci à Kat, merci à Captain, merci à tous ces gens-là. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Salut.